Moussa Faki Mahamat, reçu par Anthony Blinken à Washington. La rencontre entre le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire d'État américain s'inscrivait dans le cadre du 9e dialogue de haut niveau entre les États-Unis et la Commission de l'UE. L'initiative doit notamment faire le point de la mise en œuvre des engagements pris lors du sommet États-Unis-Afrique. Je pense que cela reflète le partenariat vital et de plus en plus étroit entre les États-Unis et l'UA, ainsi que le rôle essentiel que joue l'UA non seulement au niveau régional, mais aussi dans le monde entier. Le fait que l'UA ait été acceptée au sein du G20, pas plus tard que cette année, en est la preuve. Sur la lancée du dernier sommet qui s'est tenu ici en décembre entre les États-Unis et l'Afrique, je crois que les priorités de notre partenariat sont connues, vous les aviez énumérées, sur les questions de paix et sécurité, sur la question de la démocratie, sur les questions de développement, sur les questions de changement climatique. Nous avons un partenariat fructueux et nous souhaitons l'élargir et l'approfondir. Cette rencontre est intervenue dans un contexte marqué par l'exclusion par Washington du Gabon, de l'Ouganda, du Niger et de la République centrafricaine de la Goa.